Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui nous sommes le 28 août, 28 août, samedi 28 août, ce qui veut dire que c'est bientôt la rentrée. Ben oui, il va falloir y retourner au boulot, à l'école et tout ça, hein? Bon, ben voilà. Bon, alors donc, je disais que ça m'a inspiré quoi? Ça m'a inspiré un petit album retour de vacances. Bah oui, pour mettre vos belles photos de vous sur la plage, les doigts de pied en éventail et tout ça. Hein? Bah si. Donc, on va se faire un petit album tout simplé. Hein? Donc, pour ce faire, alors, on va prendre le papier qu'on veut, comme d'habitude. Alors, le papier qu'on veut, moi je parle, quand je parle du papier qu'on veut, c'est des blocs de chez Action. Hein, d'accord? Les blocs 30-30. Alors, attention à ce que vous prenez quand même comme papier, ni trop fin, ni trop dur. D'accord? Hein, parce que je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a des. J'ai une petite abonnée là qui m'a dit, ouais, mais mon papier s'est déchiré, nanani, nanana. C'est raté, tout ça, donc elle était hyper déçue. Bon, alors déjà, je dis, je re-redis, il n'y a jamais rien de raté en scrap. Le papier, il est déchiré, ben, on en fait autre chose, on le transforme. Enfin, franchement, si vous avez des soucis, ben, demandez-moi, moi j'ai toujours une petite idée. Bon, je ne suis pas Dieu, mais en tout cas, il n'y a jamais rien de gâché en scrap. Ce n'est que du papier, je vous le rappelle. On ne joue pas notre vie. Donc voilà, ça c'est important. Hein. Alors vous prenez effectivement le papier que vous voulez et si vous trouvez qu'il y a un truc de raté, ben vous me demandez, vous m'en parlez, et puis on voit, ça se trouve, il y a un truc à faire. Voilà, hein. Bon, ça c'est la première chose. Hein. Et puis c'est tout. En fait, hein. Bon, ayez confiance en vous et puis vous dramatisez pas un bout de papier. Ben non, quand même, on va pas dramatiser un bout de papier. Ben non. D'autres choses beaucoup plus graves. Bon, alors, donc, du coup, on va se faire un petit album, je sais pas comment on appelle ça, mais un petit album, voilà. Bon, bref. Donc, pour ce faire, alors, ce que j'aimerais, hein, vous savez, je suis un petit peu anti-gaspille, et puis je suis, comment on dit? Je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien tout utiliser et ne rien jeter, hein. Mais bon, je ne suis pas la seule à faire ça. Hein. Donc, pour faire la base de ce petit album, nous allons, vous savez, dans vos blocs 30-30, alors si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas que bloc 30-30, machin, vous prenez un papier un petit peu cartonné, pas trop épais, hein, d'accord, petit papier cartonné, et même une feuille 30-30, ça fonctionne, ok. Mais là, c'est pour, quand votre machin, votre bloc, il est fini, ou pas d'ailleurs, hein, parce que moi, je les utilise même quand ils ne sont pas finis. Eh bien, à la dernière page, vous savez, c'est une petite feuille comme ça, qui cartonnée, voilà, machin, voilà, bon. Eh bien, ça, il ne faut pas les jeter non plus, hein. De toute façon, on ne jette rien avec Angie. On ne jette rien. D'accord? Bon. Alors, cette dernière page, on la récupère. Et avec cette page, nous faisons. Elle est magnifique. Attendez, il ne faut pas jeter ça. Hein, c'est superbe. Donc, avec ça, on va se faire un petit album tout simplet. Hein? D'accord? Oui. Un petit album à neuneu. Je ne savais même plus, c'est vrai qu'il y a une chanson là, Maillon, attendez, ça date, hein, là, et Maurice Chevalier, La fête à Neuneu, en fait, c'était pas une critique, hein, La fête à Neuneu, c'est en fait, c'est plutôt super sympathique, ça voulait annoncer la fin de la semaine et que les gens, ils allaient se détendre, etc., donc c'est plutôt positif. Bon, bref, donc ce que vous allez faire, vous allez prendre alors, une dernière des pages, la dernière des pages du bloc, et si vous ne l'avez pas, vous prenez une feuille un tout petit peu cartonnée, tiens, genre les emballages Amazon, là, quand ils vous envoient les colis là, dans des pochettes, des machins, et ben, les pochettes, vous les gardez, vous les dépliez, et puis là, je pourrais vous montrer, hein, allez, je peux vous montrer, bien sûr, hein, genre ça, voilà, hein. Alors, ces pochettes-là, hein, et franchement, alors là, c'est du top, top de chez top, hein, vous les dépliez, vous les défaites, et avec ça, vous faites une base, hein, vous faites une base, ça aussi, ça serait utile, moi, je les réutilise, hein, pour faire des albums, d'accord? Des couvertures d'albums, bon, alors, si vous n'avez pas ça, vous prenez ça, si vous n'avez pas ça, vous prenez voilà, une petite feuille assez fine, hein, c'est assez fin, vous voyez, c'est assez fin, mais c'est super costaud, hein, voilà, bon, voilà, bon, bref. Donc, on va se faire une petite base.
De 28 sur 20. Ça va être un petit album. Vous allez voir, très sympatoche. Très sympatoche. Alors, on va. Oh, je vous dis pas. J'ai tout sorti comme d'habitude. Vous savez, quand je fais un truc, je sors tout. Parce que je ne sais pas ce que je vais utiliser. Alors, 28 sur 20. Allez, c'est parti. Hein, parce que ça fait combien de temps? 5 minutes, comme d'habitude. 5 minutes pour rien dire. Voilà. Alors, peu importe, peu importe. 28. Voilà. 28 sur 20 cm. Voilà, ça sera une autre base. Bon. Là, ça, vous ne le jetez pas, ça, on peut faire aussi autre chose avec. Hein. De toute façon, vous ne jetez rien. Voilà. Vous faites un coin poubelle dans votre scrap room. D'accord? Bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va se faire des petits plis. Hein. Voilà, c'est super. Bon. Comment, pourquoi jeter ça, franchement? Il est magnifique. Bon. Alors, on se fait des petits plis. Alors, bougez pas parce que j'ai déjà perdu. Ça commence très bien, hein, comme d'habitude. Donc, on prend le truc qui plie, mais pas le truc qui coupe. D'ailleurs, je vais le retirer parce que je suis capable aussi de faire des bêtises. Donc, nous allons faire des plis. Alors, un petit pli à 12,5. Ça va être vraiment très, très simple. 12,5. Vous voyez, hein, vous ne voyez pas, mais 12,5. Ensuite, 12 plus 3, 15,5. 15,5. 15,5. Voilà. Et 15,5, et ben, il reste 12,5. Voilà, d'accord. Tout simplement. Voilà. Alors, une fois que nous avons fait ça, on marque bien nos plis. Hein. Voilà. Il faudra prévoir un bout de ruban. Alors, moi, j'en avais un peu marre du ruban, là, en ce moment. Bon, bref. Je vais utiliser ça, là. C'est une espèce de raffia, là. Je trouve que ça fait vacances. Enfin, bon, bref. Ça, c'est mon avis. Hein. Pour prendre un ruban, de la ficelle, comme d'habitude, ce que vous voulez, d'accord? Voilà, il nous faut ça. Et puis, alors, et puis, moi, j'ai préparé d'avance parce que je ne vous dis pas, c'est quand même... c'est super facile à faire, mais par contre, il y a de la préparation, d'accord? Alors, on va se préparer 14 morceaux, hein, de 12 sur 10 cm. De 12 sur 10, d'accord? Alors, moi, je suis restée dans les tons rose, machin, hein, rose, blanc, noir. Hein, vous prenez comme... Ah, d'accord, bon. Alors, une fois que vous avez vos 12 morceaux... Non, pas 12, 14. Oh là là. 14 morceaux de 12 sur 10. Hein, on va en faire 7 là, 7 là. D'accord? Et puis, vous faudra, donc, j'ai dit quoi? De la ficelle, de ça. Et du papier pour, bah, pour cacher ça, pour décorer. Hein, d'accord? Pour mater. Hein, on va mater l'album. Et puis... faire quelque chose de très simple de base, et puis après vous ferez vous ce que vous voulez, d'accord? Alors, une fois qu'on a tout ça, mais ça va être tout mignon, je vous assure, ça va être trop mignon. Et puis alors, pour mater, alors chacun prend ce qu'il veut, comme d'habitude, comme d'habitude, sauf que moi j'avais envie d'utiliser, vous savez, alors, parce que comme j'achète beaucoup de trucs, vous savez, il y a ça là, enfin, parce qu'en fait il y a dedans des papiers très très fins, très très fins, hyper fin, et que ben, je sais pas trop quoi en faire. Alors il y a ça, hein, il y a ça qu'on peut utiliser. Après vous pouvez utiliser du papier plus épais, hein, c'est pas le problème. Dedans il y a plein de pages, voilà, voilà. Il vous faut du papier pas trop épais, vous pouvez prendre du papier épais, hein, vous pouvez remater. Ah ben c'est pas le problème, attention, hein, vous pouvez remater avec des feuilles 30-30, des feuilles un peu plus cartonnées, hein. C'est juste moi parce que je vais utiliser ce papier là parce que voilà quoi. Il y a aussi dans ces blocs là, ils sont magnifiques, hein. Magnifiques, du journaling, j'en fais pas du journaling, donc j'achète ça, c'est pour avoir tous les papiers, les machins, les tags, les tout, enfin bref. Et dedans il y a des feuilles aussi qui sont hyper sympas, voilà, qui sont hyper sympas pour mater, qui sont ni trop épaisses, ni trop fines. Alors ça, c'est super aussi pour faire, pour mater là. Hein. Vous faites ce que vous voulez, prenez ce que vous voulez, hein, d'accord, comme d'habitude. Donc moi, j'ai dit j'allais utiliser ça. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner parce que d'habitude, je n'utilise pas ça. Non, d'habitude, j'utilise du papier 30-30. Alors, d'accord, hein, m'en voulez pas si je vous donne pas des bons conseils. Chacun fait ce qu'il veut. Et si, quand vous collez, vous voyez que ça le fait pas, eh ben vous recollez autre chose par-dessus. D'accord. Bon, alors, on va se faire, on va décorer, non, hein, on va décorer notre couverture. Donc, on va se faire des morceaux. Alors, et puis on va se faire une jolie tranche là. Tiens, on va se faire ça aussi. Hein? Alors, on va se faire deux morceaux. Alors, moi, vous voyez, c'est blanc. Bon, bah, c'est blanc, c'est blanc. Bon, bah, moi, ça me va bien.
Ça me va bien, le blanc, ça me va bien. Vous pouvez ancrer les bords, vous pouvez... Bon, moi, je vais me faire des morceaux de 12. De 12 sur 12 sur 19, 5. Hein? Je vais m'en faire 4. Je vais m'en faire 4 de 12 sur 19, 5. D'accord? On fait ça. Prenez ce que vous voulez. Alors, moi, je vais couper les deux en même temps parce que vous voyez, c'est des grandes, grandes feuilles. Alors, bon, je crois. Hein? Ouais, voilà. Ouais, moi, je vais utiliser ça. Voilà. Pour faire l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Alors, donc 12 sur 19, 5. Alors. 12 sur 19, 5. Alors, attendez, je suis déjà en train de réfléchir comme d'habitude. 12 sur 19, 5. Alors, on va déjà faire. Je ne sais déjà pas ce que je vais faire. Alors, 19, 5. Oui, alors attendez, 12. Non, on va faire 12. Ouais, je sais, je ne sais pas comme d'habitude. Elle est où ma truc? Alors, 12. Voilà. 12, on va faire un autre. 12. 2 fois 12. Et donc, je vais couper à 19,5. Voilà. Si, j'ai droit. Merci. Voilà. Voilà. Donc, j'ai ça. Vous voyez, hop, hop, hop. Moi, je vais laisser comme ça. Hein? Je vais faire comme ça. Ça va être très mignon. Hein? Vous allez voir. Très mignon. Et donc, deux autres pour faire l'intérieur. Alors, vous pouvez prendre des papiers différents, hein, bien sûr. Hein? J'ai déjà dit, mais je redis. Hein? D'accord? Bon. Alors, ça et ça. Donc, ben, tout simplement, enfin, il y a vraiment là, rien de bien compliqué. Nous prenons notre colle et nous collons. Ah, ben tiens, il y a même du beige. On pourrait faire un côté beige. Ah, ouais, mais non, je préfère ça. Bon, bon bref. Alors, donc, vous collez proprement. Hein, d'accord? Parce qu'après, on décorera, bien sûr. Hein. Là, c'est juste pour cacher, ben, pour cacher le papier, le carton, là. Hein. Il n'y a rien de... C'est extraordinaire là-dedans. Hein. Vous cachez juste, hop, le carton. Vous allez voir, c'est très joli. Enfin, j'espère. Voilà, il est assez fin. C'est comme du papier cadeau, ça. Hein. C'est aussi fin que du papier cadeau. Alors, peut-être ma colle, là, c'est peut-être un peu violent, la Takiglu. Hein. Peut-être juste de la colle papier, la colle bâton, ça suffit pour coller ça. Hein. D'accord? Hein. Colle bâton, ça suffirait. D'ailleurs, tiens, je vais essayer. Voilà. Parce que ça, c'est peut-être un peu... Ça fait, vous savez, ça gondole, ça fait des cloques. Donc, je ne conseille pas, peut-être. Hein? Bon. Je ne conseille pas. Prenez de la colle bâton, tout simple, la colle à papier. Et ça suffit, franchement, largement pour coller du papier comme ça. D'accord? Voilà. Je fais avec vous, comme ça, ben, je vois ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est mieux, ce qui n'est pas mieux. Bon, parce que là, c'est la première fois que je fais du papier comme ça, aussi fin. D'habitude, je vous l'ai déjà dit aussi, je prends du papier plus épais. D'accord? Ah, bah ben, oui, c'est carrément mieux. Hein? Prenez de la colle bâton. Et parce que là, on voit des. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait des cloques. Donc, non, ne prenez pas ça. Prenez vraiment que de la colle. Vous voyez, la colle bâton, c'est nickel. Hein? Voilà, bon, vous faites ça. Alors, je vais faire l'intérieur aussi. Hop. Voilà. Un petit album photo souvenir vacances. Alors, vous faites l'intérieur, vous faites l'extérieur. Voilà. Voilà. Très, très bien. J'ai de la colle plein les doigts. Je ne sais pas comment je me débrouille. Chaque fois, c'est pareil. Voilà. Ok. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Superbe. Voilà. Ensuite, on va se faire des tranches. Enfin, des tranches. Oui, on va se faire une petite tranche. Alors, on aurait pu faire le contraire. Coller la tranche. Alors, c'est pareil, ça. Vous voyez, je fais avec vous. On aurait très bien pu faire la tranche et ensuite coller les côtés par-dessus. D'accord? Hein? Ouais, c'est possible. C'est possible aussi. Hein? Bon, moi, je vais faire comme ça. Parce que là, je vais sûrement mettre un joli ruban. Hein, mais vous pouvez coller l'avant. On va faire la tranche et puis vous pouvez la coller avant. Alors, on va faire des tranches qui font 6 cm. 6 sur 19,5. D'accord? Vous faites deux morceaux de 6 sur 19,5. Alors, moi, je vais utiliser un autre papier, bien sûr. Alors, je vais utiliser quoi? Tiens, des petites fleurs. Ça va être très, très joli. Ou des pois. Non, des pois. Non, des pois. Alors, je vais prendre des petits pois, là. Voilà. Des petits pois. Ah, ça me rappelle quelque chose. Alors, on a dit... 6
6 cm voilà, sur 19,5. Sur 19,5. Voilà, hop. Donc, et là, vous collez. Ouais, je regrette, hein. Franchement, la colle là, hein, prenez pas ça surtout. Hein. Quand ça va sécher, je pense que ça va absorber et que ça va disparaître. Mais bon, n'étant pas sûr, avec moi, je parle du papier cadeau, hein, une espèce de papier cadeau là, très très fin. Voilà, avec par contre là, le papier de chez Action, les blocs 30-30 et tout ça, les feuilles assez épaisses, vous pouvez prendre la Takiglu ou vous savez, la colle transparente, enfin, la colle de chez Action, elle est vraiment super. Hein. Donc, on colle notre tranche comme ceci. Hein. Alors, c'est pareil, donc je répète, au choix, soit vous l'avez collé avant hein, et vous collez vos trucs par-dessus, ou soit vous la collez après, c'est un autre style, d'accord. Vous voyez. Voilà, c'est un autre style, d'accord. Bon. Alors, hop, l'extérieur, l'intérieur. Non. J'ai fait quoi là? J'ai fait rose foncé. Ouais, ben, je vais faire rose foncé aussi intérieur. Ouais, ouais. Hop, hop. Ouais, parce qu'il est recto verso, donc on peut s'amuser à faire un petit peu ce qu'on veut. Donc là, hop, hein, vous centrez, hop. Voilà. Voilà, alors, j'en ai plein les doigts. Oh, c'est vrai. Alors, attendez, je me suis un peu les mains. Donc. Attendez, parce que ça colle vachement bien la colle bâton. Non, mais je m'applique parce que là, j'étais pas bien mise. Moi, j'aime pas quand je suis pas bien mise. Ah, voilà, c'est mieux. Voilà. Ah, voilà. C'est carrément mieux. Donc voilà. Voilà. Donc, ceci étant fait. Alors, comme je vous dis, moi j'ai décollé, c'est pas l'idéal. Mais de toute façon, quand ça va sécher, ce sera impeccable. Voyez. Alors, vous marquez bien les plis. Vous remarquez bien les plis. Hein, d'accord. Comme ça. Comme ça. Bon, il faut attendre que ça sèche, hein, normalement. Alors, on va laisser à plat, hein, et le temps que ça sèche, on va s'occuper de nos carrés, là, hein, de nos carrés de 12 sur 10. Donc, on en a fait 14, on va en mettre 7 ici, 7 ici, hein, d'accord. Vous allez les prendre dans la... Alors, là, il y a 10, là, il y a 12, d'accord. Alors, vous allez les prendre dans la hauteur de 12, et là, vous allez faire un pli à 1 cm, ouais, 1,5 cm. On va faire des plis de 1,5 cm. À tous, d'accord. Vous le prenez dans la hauteur, 12 cm, et vous faites un pli à 1,5. C'est facile, ça. Ben, si. Allez, on fait ça. Voilà. Oui, hein. Facile, ça. Ben, si. Voilà, vous faites ça. Vous faites ça 14 fois. C'est charmant. C'est un travail à la chaîne. Hein. Alors, 1,5. Voilà. Hop. On fait ça. Alors, moi, j'ai fait en sorte d'avoir de chaque côté les mêmes pages. Bon, c'est pareil. Vous pouvez vous amuser. Hein. Oh là là, vous pouvez vous amuser à faire plein de choses. Plein de papiers différents. Hein. C'est pour ça que j'ai préparé d'avance, moi. Parce que là, ce ne serait pas possible. Hein. Ça, déjà, là, c'est très... Ouais. Comme d'habitude, on va pas me changer, je suis très longue, mais voilà, quoi, ça sera encore plus long. Quoi. Allez, allez, voilà, vous faites tous vos plis. Alors, 4, 5, et c'est hyper facile comme album. Ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, album à. Comment on appelle ça? Cascade. Je ne sais plus. Bon, on s'en fiche. L'album, quoi. Voilà, hop, hop. Alors là, vous pouvez mettre un sacré paquet de photos. Hein, parce qu'on peut mettre 14 plus 14 et 14, 28. Hein. Vous pouvez mettre 28 photos. Hein. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, hein. Voilà. 28 photos. Ça fait un joli, joli. Après, vous pouvez faire ça pour un album pour quelqu'un d'autre. Hein. Je dis album vacances, hein, parce que c'est le sujet des vacances, mais vous pouvez. Hein, on s'est compris, hein, c'est un album photo, quoi.
Peut-être un anniversaire, comme d'habitude. Bon, ah, voilà, bah si. Allez. Une photo pour voilà, un album photo du chien, du chat, du petit dernier qui vient de naître, du grand qui. Voilà, bah, j'ai compris quoi. Bon. Alors, ça, c'est le genre de choses, moi qui me. Faire la même chose comme ça, c'est horrible. Ah non, mais c'est affreux. Hein. Voilà. C'est affreux. Donc voilà, hop là. Vous avez vu? Ça y est, c'est fait. Alors, donc, ouais, je vous disais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va dire ça. On va dire ça. 7 d'un côté, 7 de l'autre. Alors, donc, je vous explique, c'est hyper. Alors, après, on décorera. Alors, vous avez votre base, hein, vous voyez, c'est quand même assez simple. Vous pouvez bien ancrer les bords. Moi, je le ferai, hein, je le ferai. Alors, vous ancrez. Alors, parce que aussi, quand on va décorer, il faut penser, ça on le fera après aussi. Vous voyez, il faut faire un système de fermeture et tout ça. Hein, d'accord? Bon. Il y a plein de choses à faire. Alors, on se dépêche. Ah, c'est ça. Alors, nous allons prendre. Alors, il faut prévoir. Ah, j'aurais peut-être dû prévoir ça aussi. Mais je vais mettre de ça aussi. J'espère que j'en aurai assez du coup. Alors, il faut prévoir. Attention, attention. Il faut prévoir une ficelle. Alors, vous centrez. Vous prenez votre le ruban que vous avez choisi, ce que vous voulez, d'accord? Vous posez là. Alors, la dimension, je sais pas, 70 cm. Allez, hop, c'est bien. 70 cm, c'est toujours la bonne dimension. Donc, vous posez votre ruban là. Alors, vous en mettez peut-être, suivant où vous voulez que ça soit attaché, vous mettez à peu près, vous centrez, d'accord? Hein, vous centrez. Alors, vous centrez comme ça et vous centrez comme ça, en hauteur et en largeur. D'accord? Voilà. Et là, vous collez rien du tout pour l'instant, vous la posez. Et on va se faire une petite cascade. Alors, on peut arrondir les angles, mais ça, on peut le faire à la fin, c'est de la finition. Okay? On peut aussi, ce qui est sympa, c'est aussi couper un petit peu les... comment on dit? Je ne sais plus comment on dit, mais on pouvait aussi faire un peu ça. Vous voyez, biaiser, hein, vous pouvez biaiser, ce n'est pas obligatoire, parce qu'après, ça va se voir en dessous, vous voyez. Alors, soit vous laissez, que vous préférez que ça reste droit, soit vous préférez que ce soit un petit peu biaisé, vous faites comme ça vous chante, d'accord. Moi, je vais biaiser, parce que j'ai pu biaiser celui-là, ouais, c'est malin. Donc, et donc, on va poser, vous allez voir, c'est vraiment d'une simplicité, voilà. On va poser, alors, vous, il faut que ce soit sur, on est d'accord, sur la, hein, vous centrez par rapport à votre... Nous allons poser comme ceci. Hein. Alors, je vais vous donner des dimensions. Hein, voilà. Moi, je veux que ça arrive au rebord de ce que j'ai mis, ma petite tranche. Vous voyez, ça tombe pile poil dessus. Vous pouvez décaler un petit peu si je veux mettre un joli ruban, là. Ouais, je vais décaler un tout petit peu. Alors, donc, je vais mettre à... C'est à vous de choisir. À 0,50 du bord, là. Hein, à 0,50 du bord, là, on va poser notre truc. Et donc, en haut, 1,5 cm, hein, vous démarrez à 1,5 cm de là et à 0,50 de là. Une fois que vous aurez posé le premier, vous verrez, vous mettez de la colle. Alors là, on peut mettre taquiglu, double face, ou je ne sais quoi. Hein, d'accord, pas super glue, hein, vous évitez la super glue, hein, parce que c'est un peu fort. Hein, d'accord. Bon. Alors, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller les uns. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? À 0,50 de là et à 1,5 cm de là. D'accord? Bon, moi j'ai des lignes. Alors, je triche un peu, c'est plus facile pour moi. D'accord? Bon. Et je pose. Et voilà. Alors, j'ai mis du raffia. Bon, le ruban, c'est moins épais. Hein, le ruban, c'est mieux. Mais j'ai envie de faire ça, moi. J'ai droit? Ah si? J'ai droit. Donc, je vais faire ça et puis je verrai ce que ça donne. Mais de toute façon, je suis sûre que ça fonctionnera. Hein. C'est juste qu'après, il faut attendre que ça colle, c'est tout. Hein. Pas plus compliqué, hein. Voilà, vous voyez, hein, il est bloqué, mais bloqué mon truc en dessous, hein, voyez, bon, voilà, hop, ça donne ça, d'accord. Et là, on va continuer. Non, maintenant je suis obligée, c'est malin. Donc je fais des petits, je biaise, hein, je répète, ce n'est pas obligatoire, voilà. Et là, on continue. Alors on continue, on remet de la colle, vous voyez, vous mettez de la colle là, hein, et on va coller. Alors je fais, je mets de la colle. Vous marquez bien le pli, hein, d'accord? On met de la colle. Voilà. C'est un petit album de débutant. Très, très simple. Et donc, cette partie-là, on va la coller sur la partie blanche.
là. Mais, sur la partie blanche, sur votre rabat, mais pas tout à fait en haut, mais pas tout à fait en bas. Alors, vous centrez, d'accord? Hop, il faut attention, il faut que ce soit exactement, il faut que ce soit exactement, d'accord, à la même dimension, vous voyez? Et vous collez comme ça dessus, mais à la moitié. Je vous montre pas, c'est bien. Vous avez compris? Non. Hein, c'est posé dessus. On va commencer. On va continuer. Voilà. C'est mal collé mon truc. Non, c'est pas grave. De toute façon, tout ça, c'est de la finition. Ce n'est pas grave. Voilà. Hein. Après, de toute façon, ça, moi, je vais mettre du ruban et tout, ça se verra pas. Vous voyez? Alors, hop et hop. Hop, hop. D'accord? Bon. Alors, suivant. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? On prend notre feuille. Bon, moi, je machine hein, un petit peu. Ça ne sert à rien de faire ça, hein, je vous préviens. C'est vraiment... c'était pour dire que vous pouvez faire ça. C'est tout. Et donc, je mets de la colle sur la partie pliée. D'accord. Et donc... j'ai dit quoi? Je pose sur la partie là, mais pas tout à fait en haut et pas tout à fait en bas, c'est-à-dire au milieu, d'accord? Comme ceci. Vous voyez? Hop. Voilà. Et on continue comme ça, jusqu'à compter 7. Alors j'ai mis, mettez 7 d'un côté, 7 de l'autre. Après, je ne sais pas si on peut en mettre plus, mais je vais voir où ça arrive, les 7 là. Je ne sais pas. Je crois qu'on peut en rajouter, mais... Mais après, c'est bien d'avoir un petit espace en bas pour marquer, je sais pas, souvenir de vacances, j'en sais rien, je sais pas, des trucs, quoi, d'accord? Je sais pas. Et on continue, d'accord? Alors, vous mettez dans 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Vous mettez dans l'ordre que vous voulez, hein. Je vais mettre ça, tiens, vous voyez, là. Vous voyez, c'est vraiment simple, hein. Hop. Il faut toujours que ce soit à égale distance. Bon, enfin, ça se verra pas vraiment si. Mais ça se voit quand. Vous voyez là hein? C'est joli les papiers différents. Hein? Alors, vous pouvez vous éclater. Hein? Ça peut être toutes sortes de papiers. Hein? Vous pouvez faire tout, quoi. Tout. Tout. Vous pouvez faire des très très jolis albums. Avec des très jolis papiers. Hein, voilà, moi j'ai pris ça. C'est pour que ce soit. Et alors donc vous pouvez mettre une photo là, vous pouvez mettre une photo là. Vous voyez hein, ça en fait quand même 28. 7, 7, 14, 14, voilà, 28. Ça en fait hein, quand même. Si. Ah ben si. Si, si, ça en fait beaucoup. Hein. Bon, ça. Ensuite, ben, je vais remettre celui-là. Hop. Alors la colle bâton, hein, oui, avec le papier cadeau, c'est très bien. Hein. Bon, la colle bâton avec le papier, ça va pas. Hein. Pas assez costaud, hein, je vous dis, hein, double face ou tachyglu ou la transparente, là, je sais plus où j'en ai, là, je l'ai pas sous la main, mais bon, ça va très très bien, hein, je répète, mais parce que j'ai peur que c'est dommage que vous me disiez que vous avez raté un truc, non, c'est pas possible, ce n'est pas possible, alors, hein, toujours à égale distance, hein, vous alignez bien, hein, d'accord, vous alignez bien, hein. Enfin, ça, je peux pas vous aider pour ça, et c'est à vous de vous aligner, hein. Bon. Hop. Ça c'est le petit album de débutant. Hein. Tout le monde, c'est très très facile. Et puis, ça permet de faire des jolis petits cadeaux hein, et de se faire un joli petit souvenir. Hein. Ouais. Après, vous décorez comme vous voulez. Hein. C'est vraiment super, hein, mon petit. Moi, j'aime beaucoup. Parce que c'est simple et que c'est efficace. Voilà. Simple, efficace. C'est un joli petit cadeau, ça, pour Noël aussi. Bah, si. On commence à penser à Noël, ça y est. Bah, moi, je... Bah, si. Hein. Tout le monde pense à Noël, alors je suis obligée de penser à Noël. Hein. Ah oui. Donc, voilà. Hop. Hein. Hop. Bon, et ben regardez, c'est tout mignon. Ah ben si, c'est tout mignon. Moi, j'adore. Hein. Voilà.
Alors, combien de minutes? Ouais, on est à 30 minutes. Là, pour faire un petit album en une seule fois, c'est sûr que là, ça va faire. Je vais en avoir pour une plombe. Hein, je me dépêche. Hein. Et donc, du coup, là, vous savez, vous avez collé la nana. Alors, vous pouvez, si c'est un ruban et tout ça, vous pouvez coller là. Moi, je ne suis pas trop pour ça. Vous faites comme ça. Et là, donc, moi, le raffia, c'est bon, c'est un test. Hein. Vous savez, je vous dis souvent que je teste des choses avec vous. Vous êtes mes cobayes, en fait. Ah oui, si, des cobayes. Oh, mais des gentils cobayes, hein. Vous voyez? Hop, et là, je vais couper. Alors, c'est peut-être pas mal, effectivement, de coller de votre ruban, là, sur la couverture. Comme ça évite que qu'il se soulève comme ça. Mais bon. Vous pouvez très bien, hein, attention, hein, si vous avez un ruban machin, vous pouvez le coller directement, là. D'accord? Bon, là, je l'ai vachement bien centré. Vous centrez bien. Et puis, vous le collez sur la couverture. Mais attention, vous ne collez pas jusqu'en bas, hein. Vous collez jusqu'à là. D'accord? Vous collez jusqu'à là votre ruban. Et pas cette partie-là. Hein. Surtout pas. Hein. Bah, d'ailleurs, je vais le faire avec vous. Voilà. Allez, j'avais pas envie de faire ça, mais je vais le faire. Voilà. Vous mettez de la colle. Vous posez votre ruban. Et je vous montrerai quand ça sera sec, là, à la fin. Ou est-ce qu'on va faire l'autre côté? Il faut faire l'autre côté maintenant. Vous refaites exactement la même chose de l'autre côté. Bah oui. Donc, on va faire ça. Là, je vais laisser sécher tranquillement comme ceci. On recommence. Hein, rebelote et 10 de der. Vous mettez votre ruban. D'accord? Vous mettez votre ruban et on y va, on recommence. On recommence exactement la même chose. Alors, ce qui est bien, c'est que ce soit quand même, comment dire, hein, la même hauteur et tout ça, hein, pour que ce soit joli. Hein, enfin, joli. D'accord? Vous, on recommence, la même hauteur. Alors, attendez, je me mets, moi, est-ce que j'ai des lignes, moi? Donc, je triche, évidemment. Hein. Alors, 0,50 de là et 1,5 cm de là. D'accord? Et vous y allez. Une fois que vous avez posé le premier, ça va. Hein, d'accord? Là. Toc. Alors. Vous posez. Là. Très très bien. Là. Et donc, ah mince, il est pas au centre, machin. Hein, vous faites attention que tout soit bien centré, tout ça. Et donc voilà. D'accord? Et on recommence. Vous voyez? Comme ça, c'est égal hauteur et tout ça. C'est hyper important. Voilà. Et on y va. On y va, on continue. Allez. Hop. C'est vachement facile, hein? Facile. Alors, hop. C'est très studieux comme scrap, hein, parce que voilà, hein, bon. Hop. Alors attention, vous alignez bien, hein, c'est important, hein, c'est important, d'accord? Bon. Vous alignez bien et vous y allez, vous y allez, vous y allez, pouf pouf, c'est parti, mon kiki, hop. On y va, on y va. Hop. Si, c'est joli, moi j'aime beaucoup ce petit album, c'est très mignon, voilà. J'aime beaucoup, 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 voilà. Toc, ensuite. Toc. Ça permet d'utiliser aussi peut-être ces fameux blocs là, ces petits blocs là que je vous ai montré, vous savez, en début là, hein. Bon, parce que voilà, ça change un petit peu peut-être. Hein. Voilà. Vous avez vu la simplicité? C'est hyper facile. Hein. Alors attention, hein, faut que ça colle bien, hein, d'accord? Faut prendre votre temps, hein. Moi, comme je dis toujours, je ne fais pas pause machin sur mes vidéos. Donc, du coup, je fais enfin, au plus vite. J'essaye, vous voyez, pour que ce ne soit pas trop long, machin, tout ça. Bon, alors, donc, du coup. Hop. Là.
dernier. C'est tout mignon. Tout mignon, mignon. Tout mignon, mignon, mignon. Et voilà. Ouais. Hop. Hop. Je vais mettre des jolies dentelles, moi, sur mes... Les dentelles, vous savez. J'ai envie de faire un truc... je sais pas. J'ai envie de tester, vous voyez, des nouveaux trucs, style le raffia et tout ça, là. Parce que j'avais acheté ça, et puis... pourquoi j'achète? Bah, pour tester des trucs, en fait. Voilà pourquoi j'achète, moi. Pour tester. Je teste pour vous. Bah oui, bah oui. Comme ça, on voit si ça marche, ça marche pas. Bah, ça marche. Bon, ça fonctionne. Que marcher, c'est un point de pied. Bon, bref. Mais... on peut vraiment s'amuser à essayer des trucs. Enfin, je... Non, j'essaye pour vous. Et puis, voilà. Hein, à la fin, on voit si ça a bien... Si ça a bien pris le truc. Voilà. Là, et voilà. Et donc, normalement, vous voyez, on arrive à la même hauteur aussi en bas. Hein, c'est important. Hein, que ce soit quand même... C'est joli. Hein, bon. Après, c'est ça le plus long. Enfin, le plus long. Vous voyez, vous comprenez? C'est juste... Histoire. Voilà. Alors, donc là, vous voyez, du coup, ça a collé pendant ce temps-là. Vous voyez, c'est collé. Et là, bah, du coup, quand on attache, c'est mieux. Hein, c'est mieux. Voilà, vous faites votre nœud. Vous voyez? Et quand vous faites votre nœud, vous, ça, bah, vous avez vu tout à l'heure, ça soulevait. Bah, là, ça tient. C'est très joli. Oh, j'adore. C'est très beau. Donc, vous voyez? Là, ça tient bien. Voilà. Et là, quand on attache, si on ne colle pas la ficelle, si, enfin, la ficelle ou le ruban, je répète, hein, je répète. Si on, vous voyez, on attache, quand on fait notre petit nœud, bah, vous voyez, ça se soulève. Donc, c'est pas terrible, ça. Hein. C'est pas terrible. Ah, quand c'est pas terrible, on y remédie. Hein. On y remédie, on fait comme à côté, on colle. Alors, on colle, attention, je répète, on colle que jusqu'à là. Hein. Que jusqu'à là. Pas plus. Hein. Sinon, c'est raté. D'accord, hein. Mettez votre colle. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne hein, de colle. Hein. Attention, hein, c'est qu'un petit ruban de rien du tout. Hein. Voilà. Puis, si ça ne vous plaît pas, après, vous pouvez recoller quelque chose par-dessus. Hein, une jolie bande. Vous pouvez mettre une, vous mettez une photo par-dessus. Parce que là, ce que vous, parce que je vous donne des idées que je n'ai pas besoin de vous donner. Vous les avez peut-être, les idées. Hein. Mais on peut très bien, très, très bien prendre une image, là, hein, et puis la coller. Bon, d'ailleurs, tiens, tiens, je peux le faire. Je vais le faire, tiens, pour vous montrer qu'il n'y a rien qui nous arrête. Strictement rien. Vous avez compris? Bon, hein, il faut rien nous arrête. Vous trouvez que c'est pas beau? Vous trouvez que c'est raté? Vous trouvez que c'est moche? Eh ben, on fait autre chose. C'est pas grave. On fait autre chose, vous voyez? Alors, moi, je dis que là, ça me plaît pas parce que je vois la corde, là, machin, ça me plaît pas. Eh ben, je vais cacher. Je vais cacher. Je vais mettre une jolie photo. Alors, moi, je mets une photo comme ça. Vous mettez une jolie photo de votre, de ce que vous voulez, hein? Une photo de je sais pas qui, moi. D'accord? Je vais mettre ça, tiens. Vena SD, là, j'ai une jolie fleur, là. Non, parce que je choisis quand même. Alors, qu'est-ce que j'avais là? Non, je ne vais pas mettre ça, je vais mettre ça, moi. Bon, voilà. Par exemple. C'est par exemple. C'est un exemple. Alors, hop. Voilà. Je vais couper ce que je veux. Alors, ce que je veux, comme ça, déjà, je retire les bandes, machin. Non, et puis là, je dis que je veux faire ça. Et puis là, je vais couper là, par exemple. Bah ouais, c'est super. Moi, je trouve ça va être trop beau. Voilà. Soyez créatif, hein, soyez créatif. Et là, je vais cacher. Alors, ah oui, mais alors, il ne faut pas que ce soit la photo. Oui, alors, voyez, donc, c'est très bien de faire ensemble. Il ne faut pas que la photo, là, que vous allez mettre par-dessus la ficelle, hein, il ne faut pas qu'elle aille plus bas, hein. On s'arrête à là, d'accord? Alors, donc, là, je vais retirer. Ouais, moi, c'est approximatif, hein. Prenez vos dimensions et vous dites que moi, je veux là, une image qui fait 10. Voilà, 10. 10, allez, 10, 10 cm, je me mets à 10. Et puis, donc, je vais coller ma petite image ici pour cacher ma... Bon, moi, je mets une image, je répète, c'est l'emplacement d'une photo, ok? Hein? Bon, vous avez compris, hein? Vous mettez ce que vous voulez, hein? Vous mettez une jolie photo de votre petit bébé d'amour, hein? De votre petit chien d'amour, petit chat d'amour, de je ne sais pas qui, hein? De votre gentille famille, de... Voilà, je ne sais pas, moi. Bon, voilà, hop, moi je vais mettre ça, c'est pour vous montrer que, comme ça, hop là, on ne voit plus la ficelle. Et quand on ferme, hop, tout va bien. Vous compris? Bon, c'est bien, comme ça qu'il faut faire, hein. Rien ne vous arrête, vous avez compris? Bon, alors hop. Hop,
Et voilà. C'est-il pas joli? Mais si, c'est joli. Ben, si, c'est... Ah ben si, hein. Ah ben si. Si, voilà. Ouais, c'est trop mignon, hein. Ben si. Et puis là, pareil, hein. Je peux mettre une petite, une jolie image, mettre l'autre, là. Ben, je préférais du rose, donc je vais mettre du rose. Donc, j'ai dit combien? 10 cm. Ouais, 10 cm. Alors, hop. Alors, je vais couper à là. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a marqué en bas, là? Morning, je sais pas quoi. Ouais, non. Alors, je vais faire ça. Hop, je choisis, hein. Je choisis. Hop, vous faites comme... faites comme moi. Faites comme moi, la fille. Bon, faites ce que vous voulez. C'est juste, je vous montre... Prenez une jolie photo et puis vous, là, vous cachez la ficelle. Donc, il nous faut 10 cm. Je prends 10 cm. Voilà, hop. Et donc, je vais la coller par-dessus là. Vous avez compris. Il ne faut pas que ce soit... Ben, il ne faut pas que ça... Il ne faut pas que l'image soit en dessous là. Hein. Vous avez compris. Bon. Hop, je colle. Et comme ça, on utilise les images. On utilise... Parce que vous pouvez coller une image et puis par-dessus mater avec une jolie photo. Par exemple, faire un contour doré, argenté, je ne sais quoi, moi. Je ne sais pas. Vous pouvez faire comme un cadre. Hein. Là, vous pouvez faire comme un cadre et puis coller une photo par-dessus aussi. Hein. Vous avez la place pour faire tout ça. Vous pouvez vraiment beaucoup, beaucoup vous amuser. D'accord, hein. Et voilà. Et donc, on ne voit plus ma ficelle hein, qui était collée toute moche. On voit des jolies images à la place. D'accord. Bon. Alors ça, donc c'est fait. Donc, vous avez compris que vous pouvez... Alors, moi, je vais arrondir les angles. Hein. Vous pouvez coller une photo là, une photo là, une photo là. Hein, d'accord. Jusqu'à 28 photos. Mais 28, donc 28, 29... 30 photos en fait. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire hein? On fait un petit système de fermeture. On va se faire un petit système. Alors, système de fermeture, on en a comme d'habitude, beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons de fermer. D'accord hein? Je ne vais pas vous faire parce qu'on peut faire deux trous là et tout ça, passer la ficelle là, la repasser là. On peut faire des choses beaucoup. Enfin, bon, d'accord. Là, on va se faire. Alors, on pourrait aussi faire. Là, on peut. On va se faire ce que j'avais dit. On va se faire ce que j'avais dit. Alors, on reprend un bout de ruban. D'accord. Alors, moi, je reprends mon raffia. Là, c'est pour que ce soit en harmonie. Hein. Voilà, je prends mon raffia. Alors, la dimension, c'est comme d'habitude. Je ne compte jamais. 70, 70. Moi, je fais au pif. Hein, vous voulez que je vous donne? Non, mais parce que, en fait, on met ce qu'on veut. Hein. Chacun met ce qu'il veut. Hein. Vous voyez, vous faites le tour avec votre ruban, puis vous voyez ce qui vous intéresse. Hein. Voilà, vous vous dites, bah tiens, vous pouvez même tout simplement faire ça avec un joli ruban. Vous pouvez mettre une petite breloque clé, une petite breloque. Ah oui, on fera un charme aussi. Ah oui, on pourrait faire ça aussi, un petit charme là qui pend. Un petit charme là. Hein, avec, ah, c'est joli aussi ça. Vous voyez, pour personnaliser l'album. On en fera aussi un petit charme. Bon, alors vous voyez. Vous pouvez laisser comme ça tout simplement. Hein. Et puis alors, bon, alors moi je vais faire. Vous voyez, alors donc, j'ai choisi la distance, je dis, voilà, je vais ça. Je veux ça. Je veux ça. Bon. Mais vous voyez, je voudrais que ce soit fixé, mon ruban. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Angélique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se prendre une image. Alors, je ne sais pas. Je vais prendre, tiens, parce que je sais que là-dedans, il y a des trucs super sympas dans cet album. Mais attention, hein, c'est un exemple. Prenez ce que vous voulez. Et dedans, il y a des trucs. Là. Il y a des trucs. Alors, il y a des trucs comme « When you love what you have hein, », il faut aimer ce qu'on a. Quand vous aimez ce que vous avez, « Through Queen Death Run like confetti », d'accord. Moi, je vais prendre ça parce que je trouve que ça va super bien avec. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller, alors, au double face 3D. C'est un exemple. Vous pouvez mettre autre chose. Hein. Vous pouvez carrément coller une image encore. Moi, je vais mettre ça, regardez. Je vais mettre ça. Pour vous montrer que rien ne peut nous arrêter, strictement rien. Mais à vous d'être créatif, d'accord? Voilà. Et j'ai mis, vous voyez, parce que là, vous voyez, là, par exemple, c'est plus court. Il y a un petit renfoncement là, hein, par exemple. Ça, vous pouvez le faire vous-même aussi, une découpe comme ça. Hein. Vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez mettre pff, voilà, des milliards de solutions. Donc là, c'en est une, d'accord? Vous prenez vos machins, vos comment ça s'appelle ça? Des die cuts, pardon. Et puis là, vous voyez, je vais coller là, je vais emprisonner, vous voyez, je vais faire passer ma ficelle entre les deux double faces 3D. Vous voyez, hop, sur le watt, en dessous le watt, et voilà, et ma ficelle là, et ben elle est bloquée. Et oui, elle est bloquée, vous voyez, elle ne s'en va plus. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait? On va faire pareil de l'autre côté. Et si on n'a pas envie de faire pareil de l'autre côté, on ne fait pas pareil de l'autre côté. On met une image, par exemple.
On se dit, tiens, on va se mettre, je sais pas, tiens, il y a des jolies photos là, magnifiques, voilà, des jolies photos là. C'est un exemple, allez, on recommence, c'est un exemple, ok? Des magnifiques photos là, ça me rappelle mon intérieur, et vous dites, ben moi je vais mettre une jolie photo là. Bon, c'est pas que ça me plaise de faire ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est pas grave, je vais pas faire ça. Et puis après, attention, hein, vous réfléchissez, hein, vous avez le droit de réfléchir, hein, de changer d'avis et tout ça. Moi j'ai envie de mettre... Ouais, j'ai envie de faire ça, moi. J'ai envie de faire ça. Et j'en avais une autre, là. Qu'est-ce qu'elle avait marqué? It's a beautiful day. Ouais, have a nice day, passez une belle journée. Ouais, ça peut être ça. Ou alors, ça peut être autre chose. Ça peut être ça. Ouais, je vais faire les mêmes choses que de l'autre côté. Alors, je vais prendre... voilà, je vais faire... Mettez de la vie dans vos... Alors, vous centrez. Et puis là, vous mettez votre autre... Bon, c'est un exemple, ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait, j'ai dit? On met de la double face. De la double face. Vous mettez du double face au-dessus et en dessous, là où vous voulez emprisonner votre ficelle. Hein? Hop. Hop. Voilà. Et puis là, vous voyez, je vais le faire passer à like, ici, là, hein. Oui. Ça, c'est facile à faire soi-même aussi, hein, une petite découpe comme ça. Hein. Pour les artistes, là, ceux qui savent dessiner, découper. Hein, d'accord? Et puis voilà. Moi, je trouve ça adorable. Voilà, voilà. C'est un exemple. Alors après, je vais mettre des fleurs, des machins, des jolies choses. Je sais pas. Ah, mais j'avais dit aussi. Ah, mais tiens, oui, ouais, je vais le faire. Tiens, ça aussi. Vous pouvez très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a du blanc. Je vais prendre. Voilà, par exemple. Ouais, c'est hyper joli. Vous voyez, j'ai du truc autocollant là, des rubans autocollants. Je vais faire ça là. Oh, je vais le faire, c'est trop beau. Ah oui, c'est trop joli. Hein, je vais mettre du ruban blanc là. Je vais faire quelque chose d'un petit peu comment? Un petit peu comment on appelle? Girly là, chabi, hein, un petit peu chabi, tout mignon, hein. Voilà, je vais bloquer pour cacher, vous voyez, pour cacher les raccords de ma tranche. Hein, c'est un exemple aussi, vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez remettre du papier, vous pouvez mettre des feuillages tout le long, vous pouvez mettre, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? C'est mignon, hein? Bah si, c'est très joli. Faites ça d'un côté, faites ça de l'autre, ça bloque encore le ruban, vous voyez? Petit ruban, vous pouvez faire ça, vous pouvez mettre une autre bande de papier, je vais faire ça, vous voyez? Hein? Hein, vous prenez vos dimensions, vous dites voilà, c'est de la déco, c'est que de la déco. Et ça, c'est à vos goûts, à vous, hein, ce que vous aimez. Voilà. Je vais faire ça aussi à l'intérieur, hein, c'est pour vous dire. Voilà, vous voyez, c'est joli comme tout. Vous voyez? Hein? Voilà, c'est très joli. Puis là, après, ben, alors l'intérieur, là aussi, moi, je vais le faire, vous voyez, c'est parce que ça va cacher. Ah, ça va cacher. Il n'y a rien, il n'y a jamais rien de raté. Hein. J'insiste. Alors là, je peux en avoir sous la main. Mais voilà, je sais pas, j'en ai pas sous la main, bien sûr. Bon, c'est pas grave, prenez autre chose. Alors, par exemple, tiens, ça, c'est super ça. Ça aussi, j'adorais. Vous savez, les rubans aussi qu'on achète aussi chez Action. Eh bien, moi, je vais mettre ça. Voilà, j'ai droit. Bah si. Voilà, je vais mettre ça là. Alors, je coupe proprement. Voilà, et là je vais m'amuser à mettre du ruban comme ça sur mon. Alors j'ouvre, c'est très mignon, hein, c'est adorable. Et puis là je vais y poser un joli bout de ruban, vous voyez? Alors vers l'intérieur, vers l'extérieur, comme ceci je vais faire. Alors prenez vos dimensions, hop, vous coupez ce qu'il vous faut, bien sûr. Voilà, hein, en scrap, tout. Alors, je vais prendre notre textile glu, hein, pour les rubans. Parce que c'est mieux, d'accord? Bon, alors, vous mettez de la colle là où vous allez poser votre joli ruban. Hein? Vous mettez de la colle et vous posez votre joli ruban. Je ne sais pas si j'ai coupé assez long. Ouais, c'est extensible un peu. Il faudra bien que ça aille. Vous voyez? Et hop, hein, ça cache. Hein? Ça cache, ça embellit. Hein? Regardez si c'est pas joli. Bah si c'est joli, hein, je vous assure, c'est très joli. Hein. Ah bah si. Hein. Hein. Alors on aurait pu se faire un charme. Hein. On aurait pu se faire un charme, mais ça fait trop long maintenant. Mais donc voilà. Hein. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hein. Hop, hein. Je mets de la colle là où je vais mettre mon ruban.
Alors, pas sur la... Enfin, vous pouvez mettre sur la tranche, vous pouvez mettre quelque chose là. Hein. Bon, à vous de voir. Hein. C'est votre album, j'ai envie de dire. D'accord? Je vais prendre la même dimension que là. Voilà, et donc là, je vais poser mon petit ruban comme ceci. Et voilà. Oh, c'est adorable. Oh, c'est très... hein? Oui, c'est très mignon. Alors, vous voyez? C'est joli, non? Bah si. Alors, hein? Donc, d'accord. C'est sympa. Alors là, on peut arrondir aussi les angles. Hein? Moi, je vais arrondir les angles. J'aime bien. Ah, c'est ça. Vous savez que j'aime bien arrondir les angles. Hein? Parce que comme ça, ça ne s'abîme pas. Ça ne s'abîme pas. D'accord? Voilà ce que je fais, moi. D'accord? J'arrondis les angles. Voilà. D'accord. Toc. Regardez. Hein, c'est joli. Ah si, c'est joli. Toc. Hop. Voilà. Bon, je ferme. Vous avez compris, hein? D'accord, le principe. Voilà. C'est charmant. Et puis, à vous de décorer, à vous de vous amuser. D'accord? Bon. Moi, j'adore. Voilà. Voilà, comme ça, comme ça. C'est tout simple. C'est un petit album débutant, tout simple, tout simple. Et puis là, bah, je vais le mettre sur mon Instagram quand je l'aurai fini. Ah oui, aussi, les coins, là, bah, là aussi, les coins, je crois qu'on peut les arrondir. Soit vous les arrondissez, hein? Soit vous les arrondissez, hein? Voilà. Bon. Là, je vais les arrondir. Alors, il y a un truc aussi qui est génial, hein? Mais bon, ça, il faut en avoir. Bon, moi, j'en ai parce que, voilà, parce que j'en fais pas mal. Mais il y a un truc qui est super, hein, c'est... bon, non. Là, j'en ai tout de taille. Je vous montre juste. C'est des petits coins comme ça. Vous mettez des coins, hein, des coins. Ben, tiens, celui-là. Hein. Vous mettez des petits coins comme ça. Hein? Et puis ben ça protège et puis là alors là c'est super costaud, vous voyez, hein? Ça c'en est un que j'avais fait. Alors comme je vous disais, hein, là c'est un petit peu plus complexe parce qu'on fait des trous là, etc. On passe le ruban, nanana, on le fait passer. Vous voyez, bon ça c'est un autre exemple, un tout petit peu plus compliqué parce qu'il faut perforer au milieu de la tranche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'en est un autre, vous voyez, avec des coins et tout ça, avec un joli ruban. Là j'avais mis un ruban de satin, ça fonctionne très bien aussi, hein. Ça fonctionne très bien aussi, vous voyez, hein, c'est très très bien. Et là j'avais même pas mis parce que je veux mettre une photo moi, d'accord. Donc voilà, c'est un petit peu plus vintage machin. Bon voilà, ça c'en est un autre, d'accord. Et donc ça c'est celui qu'on a fait ensemble. Voilà, voilà. Ben voilà, ben c'est tout, hein, j'ai envie de dire c'est tout. Je me finirai, vous voyez là, coller des stickers, des fleurs, des, enfin ce que vous avez, ce que vous aimez, hein, d'accord. Bon ben vous me direz lequel des deux vous préférez. Voilà, de toute façon c'est exactement la même chose, hein. C'est juste la déco et le papier qui changent, c'est exactement le même système. Voilà, j'espère que ce petit tuto album tout simple, retour de vacances, vous aura plu. En attendant le prochain tuto, passez une très belle journée, je vous fais tout plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, hein. Et peut-être peut-être je ferai une vidéo, est-ce que j'ai... J'ai une vidéo à faire, vous savez, mes petites vidéos du soir. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. Et puis, en tout cas, je vous fais des gros gros bisous. Et puis, on se dit à bientôt. Allez, bisous bisous, ciao.